Qu'est-ce que tu fais là, Caro? T'as pas dit que tu vloguerais pas? Oh, si, je change d'avis. Ça arrive. Alors, on va regarder un petit peu. On est sur un temps magnifique. Merde, je suis en train de faire sécher mon maillot de bain dehors. Très très beau, très très bleu. On doit être sur du 27-28, c'est parfait. Le programme, eh ben écoutez, je vais ranger, je vais faire le classement des papiers, je crois que c'est le moment. Et ce soir, je vous avais dit, on a un barbecue, un anniversaire, donc il y aura des choses à aller acheter en ville. Voilà un petit peu le gros de la journée. Pendant que je vois Jack, ça me fait penser, tout à l'heure, deux énormes pigeons gris sont rentrés dans la maison, sur le balcon. Il était dingue, j'ai cru qu'il allait se défenestrer, qu'il allait sauter, genre, du deuxième étage. C'était chaud, mais les gars à l'aise, hein. Genre il y a un problème, je suis pas chez moi. Enfin, bon, ça l'a rendu complètement fou et là je pense que c'est pour ça qu'il me fout des coups, j'adore. C'est pour ça que il est un petit peu en train de rôder, il se dit on sait jamais, je peux te dire que s'il y en a un autre qui arrive, je te le chope direct. C'est ça que tu te dis. Mais hé, vous avez vu les coups qu'il met? Les coups de tête. Oh, joli collier. J'ai les cheveux pas top parce que je viens de les laver. Ça fait toujours ça, ils sont gonflés. Ils sont gonflés et surtout, vous avez vu, j'ai plus d'extensions. Enfin, il m'en reste quelques-unes, mais très peu derrière. Le résultat, c'est vraiment très, 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 très court. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chez le coiffeur prochainement pour mes racines, qui sont quand même assez présentes, et faire également mes ongles. Non, mais j'exagère même pas. C'est du délire. Faire le remplissage et je vais changer, ça va pas être rouge, j'ai envie de faire du baby boomer. J'aime beaucoup, c'est assez chic et puis passe-partout, hein, justement. Je vous montrerai. J'ai envie de mettre une robe ce soir et j'ai bien envie de mettre celle-là. Faut que je la réessaie parce que vu que j'ai pris 4-5 kilos, je suis pas certaine de rentrer dedans. À voir. Bon, cette fois-ci, maman, elle y va. Elle va un petit peu classer. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'Eric, il n'était pas fan de ça. Lui, il voulait carrément des casiers. Il m'a dit, il faut aller chez Butch. Ouais, mais attends, j'en ai déjà acheté. Il veut carrément des... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des meubles. Bon, on va voir. Je suis sûre que tu vas dire que c'est pas bien. Regarde un petit peu, tu me dis. Je peux pas vous montrer Eric, il est en slip. Non. Quoi, non? Ben non, il fallait un petit câble plus gros. Pour ranger. Mais ouvre-les au moins. Mais ça, c'est des petits machins, ça. Ouvre-les. Mais ça, c'est des petits machins. Oui. C'est bien quand tu mets 2-3 trucs. Mais là, c'est tous les papiers. Et genre ça, c'est pareil. Mais pourquoi t'as pris tout ça? Bah pour ranger, pour faire du classement. Ça, c'est pas suffisant. Bah, bon. Écoute, si tu arrives, tant mieux. Ça fait plus d'une heure que je suis sur le tri, le rangement. Je crois que j'ai une phobie administrative, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai tout terminé. Ça fait du bien, hein, quand même. Ça ranger, hein, ça rentrait, je veux dire, dans mes petits trucs. Hein. Très très bien, les pochettes. Je vous ai pas dit ce matin, je me suis mis mon autobronzant pour voir, j'en ai mis partout. Bon bah je l'ai mis il y a 4-5 heures, donc ça se verra vraiment je pense demain, peut-être ce soir ça va commencer, mais je vous montrerai au fur et à mesure. J'en ai mis un tout petit peu sur le visage, donc si j'ai l'air un petit peu allé, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps, ça donne tout de suite une bonne mine, et surtout le corps, je vous montre pas parce que j'avais chaud, je suis en culotte en bas. Mais les jambes, si, ça a pris pas mal. Hein. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de traces déjà. Regardez-moi ça, c'est quand même mieux. Ça m'agace, je l'enlève tout de suite. Ça fait un siècle que le manteau est là. Manteau d'hiver, j'en ai plus besoin. Voilà, la casquette. Elle est cassée, c'était celle de Saint-Martin. Bah, je vais l'acheter, hein. Elle est complètement pétée. Et voilà. Là, c'est un beau spectacle. Et bah, on est bon. Là, je pense que je vais aller en ville. Parce qu'il est, 4 heures. Avant d'aller en ville, j'ai voulu faire des essayages. J'ai donc essayé la robe pour ce soir. Elle me va plus. Ben non, j'ai trop grossi au niveau des hanches. Merde. Résultat, je vais mettre cette combinaison parce que ça, c'est sec. Tout est sec. Ça, c'est l'avantage quand il fait chaud. Mais je me souvenais plus que le décolleté était autant plongeant. Donc, il faut que je me trouve un débardeur parce qu'en même temps, elle est hyper légère, très agréable quand il fait chaud. Mais ouais, il faut que je trouve quoi mettre en dessous. Me voilà prête, j'ai mis un body noir pour cacher le maillot de bain. Parce que j'ai encore mis le maillot de bain, je sais que là-bas il y a un jacuzzi. Et on sait jamais, avec le petit collier ras de cou. C'est plutôt joli, hein. Et cette fois-ci j'y vais, je vais aller en ville prendre les trucs. On va pas tarder, je
vous montrer vite fait ce qu'on a pris. C'est chez Nocibé, c'est une petite trousse avec des petites choses dedans. Voilà, c'est histoire de ne pas arriver les mains vides, parce que je crois qu'il y a aussi un cadeau groupé. C'est une petite trousse avec tout ça à l'intérieur. Tout ça sympa. C'est un véritable festin. Il y a des trucs. Ouais, c'est c'est les seuls légumes de la soirée. Ça, ça me donne vraiment envie. Ça va être compliqué, je montrerai tout à l'heure. On est à l'apéro. Le soleil vient de se coucher. C'est super agréable. Moi qui avais envie de manger plein de gâteaux, apéro et tout, vous avez vu. C'est grosse régalade. Je crois qu'il va y avoir barbecue avec des frites. Bref, très sympa. Il y a la musique. Et on passe une agréable petite soirée. Je vous montre le petit coucher de soleil. Vous voyez ? C'est hyper sympa. On est vraiment dans la campagne. Ça se passe là-bas. Je suis sortie prendre ma petite laine parce que ça commence à légèrement cailler. C'est d'un calme. Ah bah, bébé ! Bah, regarde, j'ai trouvé, j'étais en train de vloguer. Mais on voit pas grand-chose. Hein. Ah bah non, c'est nuit. Et les gens, ils vont croire que t'as toujours la même chemise. Mais c'est qu'il en a plusieurs, comme de cette couleur. Serge Gainsbourg. Quoi, Serge Gainsbourg ? Mais il avait toujours la même chemise. Enfin, le même type de chemise. C'est la même chose. C'est les chemises. Mais ça te va bien, hein ? Là, vous voyez à peu près, je vous montre pas tout, mais... Le coucher de soleil. Il y a des frites ! C'est trop bon. Montre-moi ça. Wow. Ça a l'air trop bon. Des bonnes courgettes dans mon jardin. Six Claudette derrière. 6. Ah bah, Claude François, c'est 6. Hein. C'est le lendemain matin. J'ai pas clôturé hier. Parce que j'avais pas forcément envie en rentrant. J'étais crevée. On est rentré sur les coups de 2h30, on est se couché vers 3h, c'était vraiment bien. Il y avait une très bonne ambiance, on a dansé, on a chanté, on s'est bien marré, on a bien mangé comme vous avez pu voir. Et ça pique un peu ce matin, la fatigue, c'est sûr que j'ai pas trop l'habitude de sortir comme ça, mais de temps en temps c'est plutôt agréable. Vous avez vu ce matin, c'est très subtil l'autoponzant, mais moi j'aime bien, faudrait pas plus parce qu'après ça ferait pas naturel. J'ai pas l'impression qu'il y ait des démarcations, en tout cas des traces. Je vais encore voir comment ça va évoluer. Mais franchement, je vous le conseille. C'est Ichi. Je l'ai eu à 1 heure pour soi. Tu peux le mettre aussi bien visage que corps. Il est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais aller manger. J'ai super faim. Et vous faire un gros bisou. Vous dire très certainement à demain pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner. C'est gratuit. Allez, merci Namoto. Salut.